Bonjour à toutes et à tous, et nous allons découvrir aujourd'hui la réalisation de la tour de la vallée de Munster à ma façon. Déjà pour commencer, il faut un plat de souffle-naïm, un plat à tourte, dans lequel nous allons mettre différentes choses. Nous allons préparer une farce. À la fin de la recette, vous obtiendrez les ingrédients. Au fond du plat beurre, et vous déposez de la pâte brisée sur laquelle viendra se déposer la farce, 2 tiers de porc, 1 tiers de veau. À cela, n'oubliez pas, vous posez une abeille de feuilletage au-dessus, en dépassant de 4 cm. À partir de ce moment-là, après avoir soudé les deux pâtes, vous allez faire un retourné inversé avec vos doigts, avec la pâte, puis vous allez strier la pâte, non pas avec un couteau, mais bien avec 2 fourchettes qui vont s'entrecroiser et qui vont se mêler l'une à l'autre. Vous allez badigeonner la tourte et vous allez obtenir une belle tourte, peut-être enfournée à 180-200 degrés. Attention, en fonction de la cuisson, si vous êtes en voûte, sol ou autre, la couleur en aura une incidence directe. Bonne découverte, bonne réalisation à vous.